Bonjour à toutes et bienvenue sur TV Saint-Leu. Comme promis sur le petit message de Facebook, je vous avais dit que j'allais vous présenter une variante du rogaï saucisse. Donc aujourd'hui, nous fait le petit variante, ça va être un saucisse boucané bringel. J'ai prévu des bringels, alors bringel ou aubergine, hein, pour ça qu'il ne connaît pas quoi il est bringel. Ce sont des bringels, on a prévu deux belles bringels que on la coupe en petits morceaux. On a prévu aussi un boucané, un morceau de boucané, à peu près 600 grammes de boucané. Donc on la prépare 12 gousses d'ail, on l'a écrasé avec un zeste de convava, une dizaine de feuilles de caloupiné avec du sel, du poivre. Moi, la mélange aussi avec 6 piments oiseaux, hein, bien écrasés. Après, alors là, on découpe un petit peu le boucané en petits morceaux, pas trop gros, hein, pour que ça cuit bien. Bon, je pense que. Voilà, maintenant je vais faire revenir mes saucisses, je vais les faire griller dans un peu d'eau. Voilà, ça va aller vite. Parce que le feu est très bien là, donc ça va aller très vite. On va griller un petit peu ces saucisses pour éviter que ça se décharge. On va laisser évaporer l'eau. Et une fois que ce sera fait, on va y mettre nos boucanés, le morceau de boucané. Maintenant que l'eau s'est évaporée, je vais pouvoir ajouter mon boucané que je vais laisser frire avec 3 cuillères de la soupe d'huile pour laisser bien frire. Alors maintenant que mes saucisses sont bien dorées, nous allons pouvoir ajouter nos oignons. Voilà, on a tout quand même. Et c'est une recette qui est facile, malgré tout. Ça, tout le monde peut faire chez soi. Voilà, on mélange bien nos oignons qu'on va laisser revenir un peu dans les saucisses. Ça change un peu de couleur avant de pouvoir procéder au mélange des autres épices. Voilà, on attend que ça revient bien. Voilà, maintenant que les oignons sont bien dorés, on va pouvoir ajouter nos épices. Qui ont été bien écrasés et on va mélanger tout ça. Avant de procéder à la suite, c'est-à-dire y mettre là, tu vois, tu sens là, la bonne odeur qui monte là déjà là. Je vais pouvoir y ajouter mon safran, mon curcuma. Ça va donner un petit peu plus de couleur et de parfum aux saucisses. Ça change de couleur tout de suite, hein, avec le safran. On a bien mélangé tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir y ajouter nos tomates.
Vous voyez que c'est un plat qui n'est pas compliqué à réaliser, donc vous pouvez faire ça chez vous. Et n'hésitez pas d'aller sur Saint-Leu TV, hein, Cuisine La Case, pour pouvoir regarder nos recettes, puisqu'on en fait plusieurs, on en met une par semaine maintenant. Donc n'hésitez pas aussi à partager. Et pour mes amis de métropole, de Russie d'Amérique, puisqu'en fait j'ai des amis qui sont de ces coins-là, qui ont bien aimé lors de venir dans mon restaurant à l'époque pour manger des saucisses, que je faisais régulièrement d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui adorent les saucisses. Donc bah, en fait, ils pourront aussi partager avec nos amis. Et en espérant qu'un jour les voir ici à La Réunion, et je me ferai un plaisir de leur préparer ces petits plats et les petits plats que je leur faisais dans le temps à la marmite de courge, hein. Les saucisses grillées notamment, qu'ils aimaient beaucoup. Voilà, maintenant qu'on a fait revenir un petit peu nos tomates, en 5-10 minutes dans la préparation, les tomates ont fondu. On va pouvoir procéder au rajout des bringelles. Voilà, donc nous ça rajoute notre bringelle. Il est évident que comme c'est une variante, les bringelles, ben, si Zot n'a point bringelle, ben, Zot n'y met pas bringelle. Mais le bringelle dans un regail saucisse, il est bien gaillard. Donc, mes conseils à Zot, ben, de faire ça de temps en temps, c'est pas mal. On va bien mélanger. On va mélanger tout ça. Toujours là, je suis en train de travailler avec un feu maximum. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, je vais baisser mon feu. Je vais rajouter un peu d'eau parce que les bringelles, ça va boire beaucoup notre eau et notre sauce. Donc, ça va permettre au curry de ne pas brûler. Hein. Et on va baisser le feu. 5 6 voilà, et maintenant je vais rajouter l'eau. Donc dans un curry comme celui-là, il faut pas mettre trop d'eau non plus, hein. Maintenant que notre plat est prêt, eh bien écoutez, nous allons pouvoir passer à table pour le déguster. Alors nous ça va? Viens avec nous. À plus tard.